Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve. Pardon, nous sommes le vendredi 2 juin, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça doit être ça, le 2 juin. Grand soleil, grand ciel bleu. Ce matin, c'était un petit peu couvert quand on s'est levé. Bon, ça n'a pas duré. Et il fait toujours aussi chaud. Donc franchement, on est vrai bien. Là, le soleil n'est pas encore dans mes carreaux, donc j'ai pu laisser le volet ouvert. Mais on va pas tarder à le baisser. Allez, le facteur est passé. Je suis rassurée. Je t'ai envoyé un mail, ma belle, pour te prévenir. Enfin, nous t'avons envoyé un mail pour te prévenir que finalement, c'était bien arrivé. Parce qu'en fait, c'est une copinette qui nous avait contacté. Alors, vous aviez été deux à me contacter et d'après ce que j'ai compris, en plus, ça tombe bien, c'est vraiment pas le même. Vous m'aviez dit que vous aviez un Dyson double et que, voilà, au lieu que ça stagne dans un tiroir ou dans un placard, ça vous ferait plaisir de me l'offrir, de nous l'offrir. Et du coup, je vous en remercie, les filles. Donc, j'en avais reçu un. Et le deuxième, ben, il n'y avait rien. Tu nous as contacté il y a 2 jours en me disant, ben voilà, je voudrais savoir si tu l'as reçu ou pas. Parce qu'en plus, elle avait envoyé un autre courrier à quelqu'un. Et ni l'autre personne ni moi n'avions reçu. Et ben là, ça y est. Hein, on t'a envoyé un mail pour te prévenir. Mais je fais la vidéo comme on t'a prévenu également. On l'a reçu. Il est arrivé. Il a mis quand même, l'enveloppe a mis 10 jours pour arriver. Là, champion du monde. Je sais pas la distance. Je vais regarder la distance que ça fait, tiens, quand on rigole 2 minutes. Alors. Yep. Ah ben c'est pas si loin que ça en plus. Youp. Je vais regarder la distance entre chez toi et chez moi. À peu près. Hein. Youp. Je tape ma commune et je vais taper la tienne. Là, elle est là. Oh, il y a 140, ouais, allez, 142 700 km. Donc, 140 km entre toi et moi quand même. Balèze la poste, 10 jours. Même en venant de Marseille, ça arrive plus vite. Je ne sais pas ce qu'ils nous ont fait. Est-ce qu'ils l'ont égaré dans un coin? Je ne sais pas. Là, tu avais écrit ne pas plier, merci. Ils l'ont barré. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ils ont oblitéré ici, mais le timbre, il n'a rien eu. Je ne comprends pas non plus. Bon, on va pas chercher. Là, je cache. Mais alors, on voit qu'ils ont commencé à décoller. Bon, on va pas chercher. Hein. Faut rien chercher, là, je crois. Allez, j'ouvre. Oh, c'est trop mignon. Oh, génial. Donc, voilà le fait. Et alors, là, il est super beau. Elle m'a joué une petite carte. Elle est magnifique. C'est vrai que quand on n'a pas le temps d'en faire une, elle est superbe. J'aime beaucoup. Que ce soit les couleurs, que ce soit l'effet de fog, c'est super beau. Donc, je te remercie beaucoup, ma Chantal. Ben, tu vois ce que tu as envoyé pour Lola, c'est arrivé avant. Celui-là, c'est quand même balèze. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Et elle a joint. Alors, elle avait tout glissé dans un papier comme ça. Alors, c'est trop mignon. C'est comme ça, ça se présente comme ça. Ils sont trop beaux, ces petits lapins. Attends. Youp. Là, c'est des tamponnages, des petits lapins. Elle m'a précisé tamponner à la Memento. Eh bien, je te remercie beaucoup. C'est vrai que le fait de préciser l'encre permet de savoir si on peut aquareller ou pas. Et là, on a un petit pochon. Alors, je vais enlever le scotch parce que sinon, il va se coller partout après. Yop. Yop. Ah, c'est du scotch double face que tu avais mis. Et je vais tout de suite, comme il y a un petit reste de colle. Yop.
venir avec mon petit coussin d'embossage, enlever l'effet collant. Voilà, comme ça, il ne se collera pas au copain. Oh, c'est tout fin, c'est beau. Hop. Ouais, et eux, ils veulent pas venir, mais c'est pas grave. J'ai le doublon dans la main. Hop. On va se mettre sur le dos du bloc. C'est trop joli. Là, on a le petit rond qui vient au centre. Youp. Et youp. Je vais vous le poser à côté. Vous pourrez le voir. Et là, c'est les doubles. Regardez comme ils sont beaux. C'est super joli. Et ben, je te remercie beaucoup. Là, il y a Pépette qui doit pas être bien loin. Je vais lui montrer. Là, je suis là. T'es là. Il y a des petites découpes, ma bichette. Là, des tamponnages de petits lapins trop mignons. Ils sont trop beaux. Le dies, le cadre avec les cœurs. Ah oui. Et elle nous a mis une petite carte, comme elle n'a pas dû avoir le temps d'en faire une. Elle est belle. Elle est belle, hein. C'est ce que je disais. Et au dos, ça fait comme une carte postale. Il y a même l'emplacement du timbre. Voilà. Yep. Et quand on n'a pas le temps d'en faire une, bah, c'est vrai qu'elle est super belle. J'aime beaucoup. Donc, je te remercie beaucoup, ma Chantal. Yep. J'espère que tu auras bien lu notre mail. De façon à pouvoir te rassurer quand même avant de voir cette vidéo. Allez, je vous la poste dès que possible. Donc, celle-là, vous l'aurez dans la foulée. Alors, peut-être pas dans la foulée rapide, mais dans la foulée, dès qu'elle voudra être en ligne, elle sera en ligne. Allez, je vais vous faire plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Scrapez bien. Encore mille merci, ma Chantal. Et on se retrouve très vite en vidéo. Gros bisous. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Scrapez bien. À très vite. Ciao, ciao. Je vous aime. Ciao.